Papa, c'est juste un gros rocher avec des visages de vieux types sculptés dessus. Allez, mon grand, j'en prends juste une dernière et on s'en va. Fais-moi un sourire. Regardez et admirez le travail d'une pro. Ouais. Oh, pardon, je suis vraiment désolée. Ça va? Rien de cassé? Non, 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 ne t'en fais pas. Je suis solide comme un roc. Je dois reconnaître qu'elle est douée. 10 sur 10, rien à dire. Bien sûr, avec joie, Jason. Samedi soir, ça me va parfaitement. À samedi? Ça marche. Je passe te prendre à 8 heures. Ah. Alors, vous avez vu ça? J'ai rendez-vous samedi avec Jason Roberts. Cette charmante diva va en faire une jaunisse. Génial, non? Ah, ça fait des mois qu'elle essaie de sortir avec lui. Ces temps-ci, j'ai du mal avec le freinage. Hein. Désolée, Jerry. Oh, non. Aucun problème. Ce n'était que le prototype hors de prix de notre nouveau satellite de surveillance. Lui-même très coûteux. Oh, c'est une maquette. Les filles, je vous ai fait venir pour vous confier une mission de la plus haute importance. Quelqu'un est en train de voler les plus célèbres monuments du monde. Comment est-ce qu'on peut voler un monument? En général, ces trucs sont plutôt énormes et du genre plantés dans le sol. Eh bien, notre voleur a trouvé un moyen de les rétrécir avant de les aspirer dans les airs. Nous avons récupéré des vidéos tournées par des touristes présents lors des événements. Vous n'aimez pas la couleur? Comme vous le voyez, il semblerait que notre voleur se déplace d'ouest en est. Aussi, d'après les estimations du Whoop, sa prochaine cible devrait être le Taj Mahal. Génial! J'ai toujours rêvé de visiter le Mexique! Alex, c'est en Inde. Exact! Et vous vous ferez passer pour des diplomates. Voici vos papiers, vos accréditations et des costumes locaux. En ce qui concerne vos gadgets... Au menu d'aujourd'hui, je vous propose un combiné rouge à lèvres et extensive art en titanium. Oh non, le rose fait virer mon maquillage. Un diadème localisateur désactiveur fantasy. Des sacs à dos à turbopropulsion thermique. Des lunettes télescopiques de type 2000 avec caméra intégrée. Un cutter laser Rimmel. Et un VTTPO. Un VTTPO? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se mange? Enfin, c'est un vélo tout terrain propulsé à l'octane. Jerry, à votre avis, combien de temps va durer cette mission? Je ne saurais vous le dire. Tout dépend du temps qu'il vous faudra pour mettre la main sur l'individu qui commet les vols. Parce que figurez-vous que j'ai un rendez-vous samedi soir, alors je vous avoue que ça m'arrangerait si on... Impressionnant! Vous avez vu cette splendeur? C'est encore plus grand que les plus grandes villas de Beverly Hills! Attendez-moi! Je comprends toujours pas pourquoi tu as emporté toute ta garde-robe. Priorité, prêt-à-porter. Je dois choisir ma tenue pour samedi soir. C'est la règle numéro 1 des rendez-vous réussis. Tout est dans l'apparence. D'ailleurs, c'est aussi la règle numéro 1 dans la vie, non? Oh. On dirait que notre ami Jerry a oublié de nous signaler ce petit détail. Comment va-t-on faire pour entrer? N'oubliez pas que nous sommes des diplomates. Nous avons des papiers et des laissez-passer. Nous sommes fermés pour rénovation. Personne n'a le droit d'entrer. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Laissez-moi réfléchir. Mon rendez-vous est dans 4 jours. Tu pourrais pas réfléchir un peu plus vite? Je sais! Un peu d'escalade, ça vous dit?
Oh, c'est l'enfer, c'est Sari. Comment font les filles de ce pays pour faire de la varap? Oh, ne t'en fais pas, je me charge d'arranger ça. Et voilà le travail, ça a quand même plus d'allure, non? Vu la tendance de l'été, ça ferait un malheur à Beverly Hills. À nous jouer les Spies. Si on pratiquait un peu notre sport préféré. Génial, où est le centre commercial? Allons-y, la voie est libre. Je vais prévenir Jerry que le Whoop s'est manifestement trompé dans ses calculs. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est soit une sorte de balise, soit un collier pour chien de luxe. Fais voir. Attention, le bâtiment rétrécit, les murs se rapprochent. Le plafond aussi, on va se faire écrabouiller, c'est affreux. À la porte, vite. Elle est fermée. On essaie quand même. Elle est bloquée, on n'y arrivera jamais. Attendez, le combiné rouge à lèvres extensibar en titanium devrait faire l'affaire. Je crois qu'on ferait bien d'appeler Jerry et vite. Bonjour les filles. Bonjour Jerry, le Taj Mahal vient à peine de nous filer entre les doigts, vous voyez ce que je veux dire? Mais on a récupéré sur les lieux une espèce de balise. Et le seul moyen de coincer notre voleur, c'est de localiser toutes les autres balises qui émettent sur la même fréquence que celle-là partout dans le monde. Je m'en occupe. Voyons voir. Oui, ça y est, je capte un signal plutôt faible, près de la Grande Muraille. Alors si j'ai bien compris, on file tout droit au Pérou, c'est ça? En Chine, Alex, c'est en Chine. Je n'ai toujours pas trouvé la tenue idéale pour samedi soir. Oui, ça t'ennuierait qu'on trouve d'abord la balise. Voyons ce que dit mon localisateur. Je l'ai trouvée! En bas, dans l'herbe. Il ne reste plus qu'à la désactiver. Demande de désactivation. Échec. Je disais donc, il ne reste plus qu'à la désactiver. Laisse-moi essayer. Et voilà, désactivé! Et toi qui pensais que je ne portais ces chaussures que pour être à la mode? Oh. Alors, t'as du nouveau, Alex? Non, pas encore. Oula, elle t'aurait pas un peu grossi, toi? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Vu d'ici, ça ressemble un peu à un point noir, ou ben une tache noire. Ou alors, une espèce de grainerie noire. Peut-être que si t'avais un zoom, on serait vite fixé. Ça tombe bien, j'en ai un. Hé, hey, c'est un dirigeable noir. Il y a deux personnes à bord. Allons-y, les Spies. Prêtes pour le décollage? Comment est-ce qu'on va faire pour entrer? Nos sacs sont équipés de turbo, non? Je suis pas sûre que ce soit recommandé pour ma chevelure. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Quelque chose me dit que nous avons devant nous la machine qui transforme les monuments célèbres en modèles réduits. Et voilà les grands criminels responsables des vols. Plutôt petit pour des grands criminels. Je me fiche que vous n'arriviez pas à localiser notre balise. Débrouillez-vous autrement, utilisez les commandes manuelles. Mais rapportez-moi la Grande Muraille. Après quoi, vous retournerez immédiatement sur l'île. Vous évaluerez les dommages et vous vous tiendrez prêt à exécuter la suite de mon plan. À vos ordres. On doit absolument désactiver cette sale machine. Je crois que j'ai une idée. Lala! Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller jeter un œil. Bon, on passe au plan B. Sally, nous avons des intrus. Désolé de changer votre plan de vol. Tu sois de la blonde près de la machine. Je me charge des deux autres. Ah, cette fois, tu ne m'échapperas pas. Alors ça, c'est ce que tu crois. Vas-y, zappe-la avec le lasso canon alpha. Oh non, je vais être malade. Ah!
aller prendre un peu l'air. C'est bon, je te tiens. Assieds-toi là et ne bouge plus. Mais où veux-tu que j'aille? Qu'est-ce que tu attends pour miniaturiser les deux autres? Il ne manquait plus que ça. Comment je vais faire, moi, maintenant, pour essayer mes vêtements? L'analyse de l'étrange substance violette trouvée sur le pantalon de Clover révèle que ce ne peut être que l'œuvre d'un seul homme. Un certain Minus le Petit. Minus, comment vous dites? Le Petit. Il y a des années, c'était un scientifique qui travaillait pour le Whoop sur une formule destinée à accroître la force en réduisant la masse d'un corps. À la suite d'un terrible accident, il fut réduit ainsi que son frère et sa sœur par sa propre machine, mais tous trois y gagnèrent une force incroyable. Depuis ce jour, il semblerait qu'il soit parvenu à perfectionner sa technique. Il m'a l'air prêt à prendre sa revanche. Une petite séance chez le psy lui aurait peut-être évité de causer des problèmes à tout le monde. Nos satellites de surveillance ont détecté un niveau inhabituel de radiation en provenance d'une petite île au sud de la mer de Chine, Jarnesia. Nos experts pensent que le petit a pu y installer une base secrète. C'est sûrement de cette île qu'il parlait tout à l'heure. On file là-bas immédiatement. C'est un individu extrêmement dangereux, alors soyez sur vos gardes. Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je deviens? Nos équipes travaillent déjà sur un antidote pour vous rendre votre taille normale. Ça tombe bien, parce que dans deux jours, j'ai rendez-vous avec un garçon qui s'appelle Jason. Je vous en ai parlé? Oui, c'est ça, oui, je suis au courant. Mais est-ce que je vous ai dit qu'il avait une adorable fossette au milieu de la... Oui, je suis désolé, mais je crois que nous allons être coupés. Alors à plus tard, les filles. Château de film d'horreur, j'aime pas ça. Dommage parce que c'est justement là qu'on va. Le VTTPO, c'est vraiment trop génial. Attention, droit devant. On nous envoie un comité d'accueil. Paré à tirer. On se croirait dans un jeu vidéo grandeur nature. Cette fois, on est coincé. Pas si sûr. Alors, qui a l'air malin maintenant avec son tank? Mais qui est-ce qui a perdu l'occasion de se taire? Un accès par le toit. Aïe, je crois qu'on a un léger problème de traction. Tout terrain, tout terrain, moi j'appelle ça de la publicité mensongère. Il y a peut-être un autre moyen. Ça devrait faire l'affaire. C'est pas la ceinture que je t'ai prêtée, j'espère. Voilà, tout est prêt. Clover, je tiens à vous remercier de vous prêter à cette expérience. Je détiens désormais la preuve que mon procédé fonctionne sur les humains. Tous les plus célèbres monuments du monde sont réunis au même endroit. J'ai donc décidé de voir les choses en grand. Au lieu de réduire puis de dérober les plus grands monuments du monde afin de pouvoir en décorer mon île, je vais miniaturiser et m'approprier les plus grandes villes que compte notre planète, ainsi que leurs habitants. J'aurai ainsi des sujets sur lesquels je règnerai en maître. Parce que vous croyez qu'on va vous laisser faire joujou avec votre laser? Oh, je crains que vous ne soyez plus de taille à m'en empêcher. Bon, assez perdu de temps. Transformons-la en fourmi. C'est maintenant ou jamais. Moi, je m'occupe de la petite teigne et toi, tu te charges des deux autres. Compris.
m'occuper de la petite teigne. Oui, je sais, mais comme ils sont tous petits et teigneux, j'ai cru que c'était d'elle que tu parlais. Mais non, je te parlais du plus coriace, le chef. Plus que quelques réglages. Et lorsque le processus de réduction se déclenchera, vous serez aussitôt transformé en atome de poussière. Quel dommage que nous ne puissions assister au spectacle, mais j'ai un programme chargé. Je dois réduire une petite ville du nom de Tokyo. Ça vous dit quelque chose? Je suis pressé de commencer ma collection. Oh, une idée, Sam? Non, oh, je n'arrive pas à attendre mes gadgets. Ça alors, mon cutter Rimmel laser a rétréci en même temps que moi. Dire que j'aurais pu me faire les cils depuis tout à l'heure et que je le savais même pas. Ah 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 ah. Ouf, il était temps. On a encore une ville à sauver. Ajustez vos sacs à dos turbopropulsés et allons régler son compte à ce minus. Attendez-moi. Je suis sûre qu'ils sont prêts à lancer l'offensive. On va détruire le système de navigation du dirigeable pour que le petit ne puisse plus manœuvrer. Oh, ah, comment ces petites pestes ont-elles fait pour se libérer? Ah, cette fois, c'en est trop. Mon laser canon alpha va leur donner une leçon. Fais attention, je crois qu'il nous a vus. Du dirigeable, il vaut mieux se séparer. Couvrez-moi, je vais tenter une percée. Je vais te transformer en puce, ma puce. Non! Oh non, je veux pas voir ça! Oh non plus, c'est trop dur! Hé, ce dingue vient de me donner une idée! Bon bah, on est assez près, on fait quoi? Faites comme moi, d'accord? Hein? Oh non! Mon sac à dos turbo-propulsé est à court de carburant! C'est vrai? Le mien aussi? Pas le mien, comment ça se fait? Alex! Oh pardon, désolé, rectification, finalement moi aussi je suis à court! On est prise au piège! Je vous avais bien dit qu'on les rattraperait! Attention, c'est maintenant que ça va devenir amusant! Prêt? Cible verrouillée! Feu! Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. Les filles, je vous félicite. Vous avez encore fait du bon travail. Merci, Thierry. Et si on passait de la séquence émotion à la séquence extension, j'ai un rendez-vous, moi! Ah! Heureusement que j'ai gardé mes vieux habits de poupée! Attends, je vais ouvrir! J'ai un paquet pour... Quoi? Un lutin? Oh, vite! Dépêchez-vous de m'asperger d'antidote! Je vais avoir le temps d'enlever cette horrible robe et de passer ma tenue irrésistible spéciale rendez-vous galant avant l'arrivée de Jason! Laisse-moi faire! Non, je m'en charge! C'est pas vrai! Je nage en plein cauchemar! Je peux pas porter ce jean! Toutes mes affaires sont fichues! On pourrait y entrer toutes les trois! Qu'est-ce que je vais devenir? Oh! J'annule tout. J'ai pas le choix de toute façon. Vous allez trouver Jason et annuler notre rendez-vous. Dites-lui que je suis malade, que j'ai la grippe et que ce sera pour une autre fois. Est-ce que t'en es sûre? Tu pourrais aussi nous emprunter des vêtements, non? C'est impossible. Il me faudrait des semaines pour choisir l'ensemble idéal. Salut, Jason. Tiens, salut. Est-ce que Clover est prête? C'est-à-dire que Clover, elle est très malade. Elle a des boutons partout. La pauvre. Elle est désolée, mais elle peut pas sortir avec toi ce soir. Ah bah, il s'en est fallu de peu. Oh, pardon. Oh, je suis désolée, t'as rien?
Oh, tiens. Salut, Mandy. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? C'est trop nul comme technique de drague. Ne me dites pas qu'il va tomber dans le panneau. Les hommes ne partent pas. Attends-moi. C'était juste une mini-grippe. Je me sens beaucoup mieux. Je suis contente de revoir Clover dans son état normal. Je suis pas sûre que normal soit le mot qui convient. Jason, reviens ici tout de suite.